إدارة فقط، ديما البلدية هي باش تعمل الماء صافي الشراب الضوء الكرات اكسترا. لا ديموكراسي بارتيسيباتيف ني با لا باش تلايق وتدهن المكان وتنظف المكان. سي دي شوز بوكو بلو نوبل، سي دي شوز بوكو بلو افونسي كو سا. دوبوي داناليز لا سيتياسيون، ملي نشوف اللي فما مشكل، مشكل ان بروبليم انفيرونمونتال، جوسكا ليفالواسيون دو لاكسيون. سي تو لو بروسيسوس، كل. بوانتي On ne va pas agir pour. Démocratie et technologie, je suis en train de faire des choses qui sont à l'idée. À la place de Fiblas, c'est pas ça. Voilà, je suis là. C'est une démarche d'éducation populaire. Le troisième point est très important. C'est une culture, la démocratie participative. Le troisième point est très important. Il a un peu essayé de légiférer là-dessus. Mais en général, la démocratie participative et la démocratie participative, c'est un challenge. Et les charquis ont tout l'arrivée, mais c'est un challenge. Mais peut-être que je ne peux pas nous dire que c'est un acte, que c'est un acte, que c'est un acte, que c'est une culture qu'on prend ou qu'on ne prend pas. Et vous êtes, on a encore une chose, vous êtes tout à fait d'accord, et pas n'importe quoi, mais je pense que c'est une démocratie participative. C'est une manière de faire, c'est une manière de penser. Soit on y a, on y va, soit on n'y va pas. Mais ce n'est pas quelque chose de qu'on va imposer. C'est une manière, c'est un processus. Et les haouls, les haouls, qui m'a connu, avec la crise de confiance, la représentation et le pouvoir qui va toujours revenir au peuple en fin de compte en démocratie. Et à la méthodologie, les outils qu'on va imposer. Les premiers concernés. On est tous les premiers concernés dans la démocratie participative. Le colonel. Une chaîne de démocratie et de sécurité. Les habitants, les femmes, les jeunes, les internautes. Aujourd'hui, même on parle au-delà de la démocratie participative, on parle de la démocratie blogueuse. On s'achemine vers la démocratie blogueuse. C'est la démocratie qui s'instaure via les nouvelles technologies. Les Twitter, les Facebook et les blogs, enfin Facebook, mais on voit les blogs, et les courants des pensées qui viennent sur les nouvelles sur la toile. Les premiers experts dans leur propre situation. J'insiste, et les PJ, on est expert en démocratie participative. Ils sont experts. À la fête, ils le vivent. Les femmes et la femme à l'Israël, au Nisraël, à la fête, elles vivent le problème. Elles savent ce qui se passe. Elles sont les premières à être écoutées et à être concernées. On est tous experts. Et les gîtes, ça nous on peut prendre l'expert pour être expert. Nous sommes tous experts en démocratie participative. Après le processus par Amélie, bien évidemment, on va faire venir des experts scientifiques pour que notre dossier ait un peu de value. Mais on est tous experts en démocratie participative. On est tous experts par notre vécu. On a des pouvoirs utiles et des savoirs d'usage et de l'intelligence collective. Nous sommes tous ici à créer de l'intelligence collective. C'est très important. Nous sommes tous les uns aux autres, reliés les uns aux autres à l'intelligence collective, dans lesquelles les associations peuvent apprendre les uns les autres. Actuellement, aujourd'hui, et quel que soit leur bagage académique, autant l'exemple est comme je vais vous parler d'un exemple, démocratie participative. On est chaque démocratie et technologie, un petit, à quelque chose de minuscule. Donc il ne suffit pas d'avoir un bagage académique ou une organisation, on est tous, quel que soit notre bagage académique, quel que soit notre niveau, nous sommes experts de notre situation. Le Chevet, il est expert de la situation. C'est clair, ils sont experts de leur situation, les étudiants sont experts de leur situation, les femmes sont experts de leur situation, etc. Quel que soit notre bagage académique, c'est très important. C'est à travers un processus qui, à travers lequel on dit on s'approprie la chose morale, on s'approprie la chose publique. Sont en mesure de s'organiser dans une action collective, même lorsqu'ils sont socialement marginalisés. Probablement que ce sont ceux qui sont socialement marginalisés, les hommes en Chine, les hommes en Israël. C'est très important dans ce sens d'aller dans cette démarche-là. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quatre étapes à la démocratie participative. Qui m'a dit ma collègue, 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 qui m'a dit ma collègue,
كل واحدة دول شربها معناتها. دونك فوالا سي كات ايتاب سي لينير سي اون سول لين. الباب الثاني ما يتحل كان ما نجحنا في الفترة في المرحلة الأولى، الباب الثالث ما يتحل إذا ما نجحنا في المرحلة الثانية في المرحلة الثانية والمرحلة الأولى، والباب الرابع ما يتحل إذا ما نجحنا في المرحلة الثالثة والثانية والأولى. ما ثماش كذا باش نحكوا باش نمشيو نعملوا قصة عادي. سي توس تو دوا إي فو أوفي لي بورت لي زون أبخي لي زون. لا بخوميييغ إيتاب تخي إمبورتونت في المدرسة سكون أبال لانفورماسيون. Et là, je vais, là, ça rejoint l'open door, le hub of tout. L'information, rendre accessible les informations qui étaient, et accompagner les gens. Qui fait ce qu'elle a traité, Tawa, que le panneau, le Tajmaat Mahadir, a acheté la première, mais le plan d'investissement communal, qui t'a affiché dans ce stage, il se met pour Mahmoud à l'heure à les années de Chalukia. C'est important, sinon, le Tajmaat Mahadir, on peut se tous. عشرة في المئة من البلان دافستيسمون كومينال بغيت تكفي سولون اون ديمارش بارتيسيباتيف. كيفاش تحبني انا شارك في الميزانيه نتاع الجماعه المحليه نتاعي ولا نتاع الولايه نتاعي اذا انا ما عنديش معلومه. ما عنديش الاكتيف والباسيف وشو هما لي بيجيتير وقداش صرفوا في اون سالير اون ديبونس بور انفيرونمون اون ديبونس بور جو سي با اون كريش اكستيرا. جو دوا افوار لانفورماسيون. سي تري امبورتون دافوار لانفورماسيون. كيفاش فو فولي كو جاجيس مش حنيا نخدم حاجة نفهم الموضوع جوست ديما نقول هذا ديموكراسي بارتيسيباتيف اللي با دي ريانفونتي لا روز كيما كرينا كيما في الجامعة كيما في الليسي سي لا ميم شوز سي لو ميم بروسيسوس سيانتيفيك سي اون ديمارش سيانتيفيك كنا جو بونس اللي عمل ميموار اللي عمل تيت اللي عمل دكتوراه ولا حتى عمل لابورتاج سي لا ميم ديمارش جي دو لانفورماسيون كو جو تريت. Si je n'ai pas l'information, qui veut que je traite mon sujet, comment voulez-vous que je traite mon projet? C'est à travers l'information. Et là, c'est très important. L'article 139 de la Constitution, qui en s'achemine à Jamal, le plan d'investissement communal et le budget participatif, oblige aujourd'hui les administrations locales à donner l'information. C'est très important qu'on ait l'information. مشكل الفصل 139 فقط وانما ايضا عندهم الحق في النفاذ الى المعلومه، الحق في النفاذ الى المعلومه تم تكريسه منذ مرسوم في 2011 وتوا اصبح حقا دستوريا، يعني على الجامعات المحليه السلطات المحليه مجبوره باش انها توفر المعلومه لفائده المواطنين على المستوى المحلي في اطار تكريس الشفافيه اللي ايضا الشفافيه تم تكريسها في اطار دستور 27 جانفي 2004. Merci d'avoir pris le point de rappel. C'est qu'aujourd'hui, le hack, on a fait des marlons, c'est très important. Ça est de plus. Le sourire qui m'a promis, c'est-à-dire que, et en effet, pour moi, j'estime à Charlie. Enfin, j'estime à Jamaïen. Ou le balédier, je ne sais pas si on a de la balédier, n'importe quel mot, ça, dit à Mali, ou à la quand il y a quelques gars, il y a un couloir, par le bel Hamel. Il faut que l'information circule aujourd'hui, il faut qu'il y ait des banderoles, il faut qu'il y ait un mailing list, il faut qu'il y ait une plateforme, il faut qu'il y ait un tweet, il faut qu'il y ait, je ne sais pas, un Facebook, je ne sais quoi, un Google+, un mailing, pour que ça c'est mon problème. Mais je dois avoir l'information, c'est très important. Par rapport aux réunions, par rapport à l'actif passif de ma commune, etc. Donc l'information est primordiale. L'administration doit fournir l'information. C'est-à-dire, à vous. Il y a un parti mal. Deuxième point. Et là, nous aussi bien à nous, c'est les recherches en développement. C'est-à-dire que je vous donne un point de vue très personnel que je dis à vous. C'est que خوف الإدارة باش ما تسمعش المجتمع المدني اللي فيجي يعايد يسيح ويطالب ويجيب ورقة سحرية مكتوب ورقة وسطات ويقولها مشروع. لا أوسي أون رونتر دون أن سيرك دو بروفيسيوناليزم هذا العام الخامس من عمل الثورة. العام الأول هاي تعديت. العام الثاني تعديت. Je vous dis sincèrement, en tant qu'observateur de la société civile, عام 2015 وعام تخبير.
ما يوقف في ولكن حاجة مسلم عند ربنا مش فورسيمون فلوس ولا الجمعيات اللي على الامكانيات، الجمعيات اللي باش تخدم دون مانيير سيانتيفيك. سيتادير اوجوردي جاي جو نسي با جو دي نابورت كوا، يا بروبليم ديروزيون دو لا كولين دو تاع مسيت هذيك دو لا فالاس. سي جو انا مجتمع مدني نحب نكون نشارك في القرار، نشارك في اخر القرار. جو دوا ابورتي دي ريشيرش. Je dois apporter une manière, une procédure, une vision de la chose qui soit bien faite. Alors c'est bien fait. On estime, et c'est une estimation de basse échelle pour ceux qui ont la main. Les mystères ici. Je t'ai dit, les moments où l'âge de vie, ils ont à la fin, mais ils ont à la fin. C'est une estimation basse, c'est-à-dire, femme, c'est général, on dit, femme, c'est général, 5 jours par semaine. C'est une estimation basse de ceux qui ont la main. Il faut prendre la main aujourd'hui d'une manière scientifique à écrire un appel à proposition, voilà un projet, des hypothèses, des indicateurs. En matière environnementale, je n'y connais rien. Je n'ai pas fait d'études en environnement. Qui fait le séminaire qui a le fallait faire aussi. Voilà, je n'ai pas la connaissance. Moi, je نخدم ولا نقرا على الموضوع حتى يجي نو سي ايدي ابخي جو بو فونيغ اي دير ها لا فيريتي ها كيفاش انا فهمت الحكايه المهم حتى ديما ينجدوا لي اي اداره هي المهم ما تعطيش المعلومه ولا ما تحبش تعطي المعلومه ولا يا خويا انا نعاون الاداره ما يسالش انا نعاون الاداره ونجي يا اداره ها دوسي مخدوم طريقة جدية وعملية وسينتيفيك باش يسمعني، مرة الأولى ما يسمعنيش، مرة الثانية ما يسمعنيش، مرة خاصة ما يسمعني، وحتى كان حتى حد ما يسمعني يقول لي أنا جو بو أفوار سكون في أن أوتي ميدياتيك، سيتادير جو بو ميدياتيزي مون بروجي. نمشي للإعلام ونحكي للإعلام، هاو أون إتيود أون ريشيرش. يفون ميكوتي، أ مون دوني يفون ميكوتي، الخدمة الصحيحة تجيب أ مون دوني. دونك لانفورماسيون دو فونير من الأدمينستراسيون، سي تري إمبورتون. Il a besoin d'un plan d'investissement communal, et moi aussi je dois traiter mon sujet. Si je veux aujourd'hui parler de l'aménagement d'un parc, il est minable. Qu'est-ce que ça coûte, combien ça se liés, etc. L'UMAHAF a des initiatives bénéfiques, il faut le faire le plus tôt possible. Puis, ça sert, par la validité de place, ça y est, elle a deux lignes budgétaires de son plan d'investissement communal, ça y est, il est à la portée de la société civile. Il y a eu tout un processus qui a été fait. La société civile, elle va décider, etc. Il y a eu tout un travail et que je peux continuer à travailler avec vous là-dessus. Donc, l'information, c'est important. Quand on dit l'information, c'est bonjour de l'information, où est la critique et moi, je te marre, madame. نعرف كيفاش نخدم الكوليك لانفورماسيون هذيك، نعرف كيفاش نقيم المشروع تاعي، نعرف كيفاش نجيب معلومة صحيحة سور اون باز سيانتيفيك. اون نو ريانفونت با لا رو، سي كوم سا كون ترافاي في الجامعة، في الليسي، في كل شيء، سور اون باز سيانتيفيك. دونك، إي لا لي بارتيسيبون دوار سو ديتيرمين اون كوتي اون كوت كونيسونس دو كوز. يقول كيفاش تحب أنا؟ كيفاش تحب واحد اللي سو ديتيرمين بارابور ان سوجي، إذا يقول لك من سورس قريت ان بوست على فيسبوك اون ديغونال، سايي نعرف كل شيء. À savoir quoi que ce soit, si tu veux sur Facebook ou tu vas te comparer. Il faut qu'on se concentre, il faut qu'on lise le maximum, par rapport à la problématique. Et après, on va se décider, et après, on va se faire un avis là-dessus. Une journée, c'est l'étape l'eau. Une journée à faire. On a bien travaillé, on a fait nos 5, 6, 7, 8 semaines de travail, d'information continue. On va à l'étape 2. Il est notre étape de consultation. La consultation, les participants sont invités à donner leur avis sans engagement sur son influence dans le processus de décision. Pour l'instant, il n'y a pas d'engagement électrique ou un artiban sur le terrain. Mais, qui fait tableau la neige, d'un plaider les tableaux, aussi bien administrativement parlant que société civile. On est la confiance qui fait la déquipe, elle se crée. Elle se crée la confiance entre l'administration. La société civile, et on est invité dans ce cas
à donner notre avis ou notre sujet, un pratique, how to avoir, how to étudier en public, how to faire les questionnaires, how to faire les sémantiques de mon questionnaire, how to faire les théories, how to faire les activités. Et là, on commence à se placer. Le groupe est initié à l'argumentation. C'est très important, l'argumentation. C'est un art, hein, c'est une culture. On a la démocratie participative, à l'instant, une culture. Là, on commence à argumenter. Et là, ma femme, je vois, ah, c'est l'argumentation qui est de la couleur de la rando, d'aussi, par le fait, à l'aide, bien faite. Un petit coup, elle, il faut lire les falaises, il faut bétonner. À la fin, il me semble que dans les cas où la falaise, il faut planter des arbres. Femme enfin, des arbres, il fait le Mexique, il y a une falaise au Mexique qui les arbres, ils se sont infiltrés dans la roche, ils ont renforcé la roche, il n'y a plus d'érosion. Ah, très bien, c'est une autre expérience, c'est une autre coutume. Qu'on va argumenter, que tu vas argumenter. Madame Jean, à votre participation, je pense à ça, etc. Et donc, on argumente, sans engagement pour l'instant, il fait le matériel, le groupe est initié à l'argumentation à l'écoute de l'autre. Hein, qu'on s'écoute les uns les autres, très semblables, l'écoute active, qu'on apprenne à s'écouter. Ah, allez, je vous ai dit, il a fait sur le bétonnage. À la fin, j'ai une étude, par la fin, j'ai une étude par rapport à je ne sais quelle expérience a marché. À la confrontation des points de vue. Vous voyez, là, il m'a dit, c'est tellement péjoratif, voilà, à la confrontation des points de vue. Il faut qu'on confronte nos points de vue. Allez, je vous ai dit, il a une sensibilité par rapport au sujet. Il faut que ça soit comme ça. Basé sur l'étude scientifique. Ou l'hostel, ah, c'est dit. Non, il faudrait peut-être aller vers l'autre chemin. Basé sur des études scientifiques. On a tous l'information. L'information, l'open data de l'open gov est très importante. Il faut qu'on ait tous l'information. Le connaître maintenant le marron, mais la sensibilité peut rentrer en jeu. Et là, il me semble que il vaut mieux ça. Ou il te semble qu'il vaut mieux ça. Et c'est très important. La confrontation des arguments n'est pas interpéjorative. Mais je le rappelle, la confrontation par un débat argumenté. Moi, famille, je m'habille un débat argumenté sur des bases scientifiques. Pas un débat, c'est la science. On ne réinvente pas la roue. Quand on part sur une base scientifique, on avance sur une base très claire. Les participants commencent à se situer sur le sujet. Et là, on s'est échangé, etc. Je commence à placer mon sujet, mon dossier. Voici ma proposition. Et là, quand on réussit l'établissement, et malheureusement, si on se réveille à l'aise, et on n'arrive pas à dépasser le temps, on s'arrête à ça. Oui, on rejoint les rapports, ou une jacques de démocratie était de chez l'Oukia, ou une jacques de démocratie était de chez l'Oukia, ou la mine a fait outil, la main à Fardet, ou de la chenille, ou on a fait des tables rondes, et on a réussi la consultation, qui est la chenille, ça y est, c'est fini, une jacques de démocratie était de chez l'Oukia. On est encore à 10% de la démocratie participative. Donc, là, la consultation réussie, on passe au plus important, la concertation. La concertation, on se concerte. L'avis des participants est pris en compte à la réflexion, mais ne détermine pas la réflexion, la décision finale. Mais Zenmak, Martinez, la décision finale. Mais, comme on s'est placé comme sujet, comme on a notre argumentaire, et comme Mahanawa, à nouveau, même Mushetli, Akam, Ramin, voilà, c'est des chiffres. L'INS, c'est des chiffres de la démographie, c'est des chiffres du ministère, c'est des chiffres du ministère de l'économie, par rapport si on va traiter d'un point de vue économique. Donc, on a nos sources, on a notre base scientifique, et on commence à. Notre avis commence à être pris en compte. Le groupe développe encore une fois ses argumentaires. Et confondre différentes pistes d'action possibles entre pairs et avec les décideurs. Allez, pourquoi il y a eu la confiance? Pas c'est à un moment donné. C'est qu'à un moment donné, c'est un marqueur à l'administration. En démocratie, ce qu'on dit, c'est que c'est la chose publique, elle appartient aux représentants. Mais je ne sais pas la faire, c'est pas la faire, c'est pas la faire, c'est pas la faire.
هسيني ما بصوش صح الطرف أنا مش شو صح بس بوزي يا مجتمع مدني. Donc la décision finale par ça, elle revient toujours à la représentation. Donc la représentation, si elle est dans un climat de confiance entre société civile et représentation, forcément, je suis jusqu'à mes marades, mais s'il n'y a pas de confiance, eh ben j'ai une marade, aucune chose constructive, là ça n'avance pas. Il faut que ça avance d'un côté et d'un autre. Donc, le groupe développe ses argumentaires et comprend différentes pistes d'action possibles entre pairs et des décideurs. Le groupe se prépare à la négociation. La négociation, ce n'est pas un terme péjoratif qui. C'est un art, la négociation. C'est un art, la négociation, qu'on doit apprendre. C'est un art très important. On va négocier. Dans mon étude, dans ma proposition, il va y avoir ce qu'on appelle une partie inflexible, avec, à mon sens, notre agent chargé, une partie flexible. Et lui, bon, en l'entendant, en écoutant, etc. Ah, je vais changer. Ah, Esther, ah, j'ai une information, etc. Et donc, peut-être qu'il y a une étude de l'administration du Frédéric. Tiens, l'administration, attends, mais c'est étude statistique. Ah, ça va changer beaucoup de choses. Je vais me remettre à analyser ma partie inflexible par rapport à ça. Et donc, on se prépare les négociations. Une fois qu'on a réussi cette troisième partie, j'essaie de développer le concept, c'est un processus qui peut durer des semaines, des mois, des années. Deux slides qui détermine la démocratie participative. Et j'insiste sur une chose. Mais pour avoir de l'expérience et de l'expertise. Qu'on commence là-dessus, qu'on ait l'expérience par rapport à ces étapes et qu'on puisse un peu réélargir par rapport à des choses beaucoup plus importantes. Et donc, après, on arrive à quel matin s'attend à la case de la cuisine, où il y a on a réussi dans la démocratie participative, la co-décision. C'est la décision prise entre acteurs publics et société civile ensemble, en avance vers une décision ensemble. Sachant que la représentation, comme il est. Le consensus, écoutez, notre consensus, mais je suis compromis. C'est un consensus. Le consensus est recherché à la suite. Le débat, même en philosophie, en sciences politiques, c'est quoi le débat? Le débat, c'est la retranscription non violente d'une confrontation d'avis ou d'échange d'avis. C'est la retranscription non violente. C'est important le débat. Le débat de questionnement, de négociation. Donc on est dans un consensus. À la catégorie, les désaccords argumentés ne sont pas rejetés. Le point 2 est très important. C'est-à-dire que, puisque là, quand on a fait l'étape 1, l'étape 2 ou l'étape 3, le dossier A, le dossier B, enfin pour le format A, le dossier. Dossier A, dossier B, dossier C, dossier D. Retard le dossier D. Le dossier A, le dossier B, le dossier C, même chose. Après de ces dossiers, Marc Domine, sur une base scientifique intéressante. C'est juste qu'on a opté pour le dossier D. Mais le dossier A, le dossier B, le dossier C, il vaut la peine. On peut le garder. On peut le garder même pour une raison très importante. C'est qu'à un moment donné, on choisit de planter les arbres. On a décidé de planter les arbres. Ça a marché au Mexique, là, il faut absolument trouver un cheminement autre pour corriger un peu le tir. Et justement, on corrige un peu le tir, c'est qu'en ayant la proposition A, la proposition B et la proposition C, une sous-fonction à la sous-fonction en même temps. Alors c'est très important. Les désaccords à nous, ici les participants à projet deviennent protagonistes de leur action. Quelqu'un va se rentrer à la question, pas pour être clair, mais sur le radio. C'est très important, c'est comme ça qu'on revient en se faire de parade et la parade. Et donc, voilà, pour résumer tout ça, s'il te plaît, je prends deux autres minutes. Bonsoir, mais
je vais l'expliquer. On a la démocratie représentative. Donc, la première, l'ordre de la démocratie, quoi ? L'information, la consultation, et à part. Non, c'est vers là qu'on commence à une démocratie participative complémentaire. Complémentaire de la démocratie représentative. Au nord, je m'appelle Kelmanès, on va faire de la femme Sassmine, le contre-pouvoir. La société civile n'est pas là pour faire du contre-pouvoir. La société civile va faire une participation complémentaire à la représentation, des termes télévisés, la concertation, la codécision, et on arrive finalement à réussir la démocratie participative. Des outils, l'information stratégique comme la communication. On va parler, c'est la communication, c'est très important. L'affichage public, qui m'a pas que voir la pièce à la pièce avec le couloir. L'affichage public, c'est de l'information. Portail de la vie et des médias sociaux. Assemblée du conseil municipal, ouverte publique. Si vous allez un peu sur Google, vous voyez les conseils municipaux dans certains pays européens, notamment en Suisse. Yes, but NF. Elle vote à main levée par rapport à des décisions. Des outils de la consultation, l'espace citoyen, c'est un outil. La gestion des plaintes, la gestion des plaintes existe, il y a un bureau de gestion des plaintes qui existe, donc c'est très important. L'évaluation citoyenne de la qualité des services, il faut qu'on évalue. Qui fait changer la formation? Qu'est-ce qui se passe? Je dois évaluer, c'est très important. La planification humaine stratégique, les réunions publiques, la médiation table ronde, la codécision, conseil de citoyens ou panel, participation citoyenne à l'investissement et à l'utilisation communale. Il y a d'autres outils beaucoup plus ludiques. L'évaluation des actifs passifs, c'est-à-dire qu'il arrive, c'est très important d'avoir l'actif passif de ma commune, le budget de la commune. Fais-je combien de budget le budget si je n'ai pas mon actif passif? La cartographie sociale, il y a Hachard-Kerlier dans 2 minutes. Les marches exploratoires, c'est un outil scientifique. Je fais une marche exploratoire scientifique par rapport à n'importe quel sujet. Les forums sur le net ou les théâtres forums, les vidéos recherches. Alors ça, c'est parmi les outils. Encore une fois, la démocratie participative, c'est un état d'esprit, c'est une manière de faire. Comme des courants de pensée qui sont complètement contre ce que je dis. C'est ce qu'on appelle les théories élitistes. Les théories élitistes, c'est quel outil philosophiquement, c'est des théories qui sont absolument persuadées que le pouvoir a été pris à la bourgeoisie par les révolutions et que le pouvoir doit absolument revenir à la bourgeoisie. Au Romanès, très marrant, je serais bien qui pense ça. C'est une manière de faire. Pareto, un des grands économistes à la loi de Pareto, c'est mal de 80, pense absolument que la théorie des élitistes est très importante et que, bon, sur le terrain, là, j'ai un Mussolini, je crois que j'ai le fâché, mais c'est des gens qui ne croient pas à la démocratie participative. C'est une culture. Soit on y va ensemble, soit bon, on décide, on n'y va pas. Pour l'instant, ça a donné ses faits. Ça a donné, pour l'instant, certaines bonnes pratiques dans certains pays. Ce n'est pas, on est dans les sciences sociales et humaines, et dans les sciences politiques, ce n'est pas mathématique. Je crois que les galactiens, ça a donné des résultats, à nous de voir si ça peut marcher ou pas. Et voilà, juste un dernier exemple, pour l'archive à les populations marginalisées, l'archive à les populations sans aucun background. Génial, nous sommes un professeur. Tu verras, il y a un tramway, tu mets le trafic, et tu dois le périphérique. L'intramuros, bonne périphérique. Tu as un ahier, الحي هذاك اللي الحي الشعبي قال لي باش يعملوا لين دو ترامبي اللي هي بلاصه اللي هي مصوره بلاصه شنو عملوا؟ بصلصال هذا ولد واش شنو عملوا؟ سي سامبل تكلموا مع بعض لي كور ريبريزونتاتيف دو لا في سوسيال لي كوميرسون لي فام لي جون اكسيتيرا اي كل واحد عطى رايه في الحكايه قال انا والله هذا بينا كان لين دو ترامبي تتعدى بعد السهوله بعد طيران ودرج ضايعين باش تمشي تبعد ناخذ من المدرسه يطلع في الترامواي. الشباب قال لدينا لدينا الترامواي تكون بحث سادو سكور. فوالا.
لي كوميرسون قال ماذا بينا لي ندير تراموي يكون بحذا لي كوميرس تاعنا باش تعبد كي كهرباء تجيب وما كامل هذا نشوف كيش نعمل في الشارع. هي هي تو تان تراسي هكذا بلاص في هذاك سي اون فيزيون دو لا شوز كي سورا كومبليكي بار لا سويت بار ايتود ديكسبير باغ نجيبو لي ديكسبير la logistique, les urbanistes, pour la faisabilité, etc. Mais c'est une proposition qui émane de la base. C'est un processus ascendant. Il fait que ça, le bois, je donc c'est très important de rentrer dans cette philosophie-là, de la démocratie participative. Et voilà. Donc, c'est un peu de voilà.